Bonsoir et bienvenue. Le 19-30 vous accueille dans un nouveau décor dès ce soir. On va parler d'abord de la rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui pour une majorité d'élèves de Suisse romande. Une rentrée marquée par la canicule. Il est parfois difficile de protéger les écoles de la chaleur. Nous verrons comment l'architecture peut s'adapter avec notre invité Stéphane Emery. Une rentrée qui aura été compliquée pour Viola Amert. La conseillère fédérale ordonne une enquête externe sur l'achat de chars d'assaut par l'entreprise Ruag. La ministre de la Défense a dû s'expliquer tout à l'heure face aux parlementaires. Nous partirons au Canada, qui est toujours la proie d'incendies d'ampleur historique. Des milliers de personnes ont été évacuées. Nous verrons aussi comment la Gironde, en France, tire le bilan des feux qui ont ravagé la région l'an dernier. À deux mois des élections fédérales, c'est l'occasion de savourer un nouveau carnet de campagne de Pierre Nebel qui est allé déguster le risotto géant préparé par le POP vaudois. Nous terminerons le journal au frais dans le plus grand lac souterrain d'Europe à Saint-Léonard-en-Valais. Et les visiteurs profitent du décor bien sûr, mais aussi de l'incomparable fraîcheur des lieux. C'est une rentrée caniculaire qu'ont vécu aujourd'hui des milliers d'élèves dans le canton de Genève, de Vaud, dans le Jura, dans le canton de Berne, dans certaines régions également. Des températures qui auront pu leur rappeler les vacances d'été en Méditerranée. Mais les bâtiments scolaires sont rarement adaptés à de telles chaleurs. Il faut alors parfois bricoler des solutions. C'est le reportage de Cécilia Mendoza et Julie Conti. C'est sous un soleil de plomb que cette classe de 5P effectue sa rentrée. Un brin de fraîcheur. Et c'est la fin de ce 19-30, le premier dans ce nouvel habillage. On espère qu'il vous a plu. À suivre tout de suite le retour de l'émission économique basique. Et d'abord, la météo. Et pourtant, en ce moment, la météo de Claudia Mélangeois dit Savoie. Excellente soirée sur la RTS et à demain. Avec la RTS,